First we go down to the swamp. We march so fast our feet go stomp. Wash. Oh, it's lots of fun to have a wash in the pool with squirt and splash. On a un peu de spray dans le nez. On cache le nombril d'Adam. Sonne les mains, ding-dang, ding-dang. Et coucou mes petites biches, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une vidéo, une journée avec nous. On est sortis, Adam et moi, faire un petit tour dehors, le long de la rivière. Derrière, vous voyez le pont Williamsburg. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez peut-être qu'au début du mois de mars, j'ai commencé un challenge running. Et malheureusement, ça ne va pas très fort. La première semaine, ça s'est super bien passé. La deuxième semaine, j'ai commencé à avoir des douleurs aux articulations. J'ai des problèmes de hanches et de genoux, mais je pensais que ça allait mieux. Et ensuite, je pense que je recommence des périostites au niveau du tibia, des tibias. Ce qui n'est évidemment pas le top pour courir. Donc là, j'ai ralenti la cadence. J'ai essayé encore d'aller courir la semaine passée, mais j'ai pas réussi correctement. Pas réussi à le faire autant que je voudrais, et un peu dans la douleur, ce qui n'est vraiment pas l'idéal. Donc cette semaine, je marche. Et demain, j'ai un rendez-vous dans un magasin de sport pour faire analyser ma foulée, voir comment se met mon pied, tout ça, pour m'acheter une nouvelle paire de chaussures. Donc, j'ai bien hâte, parce que je pense que ce sera très bénéfique. Je continue ma petite phrase parce que je n'avais plus d'espace de stockage sur mon téléphone tout à l'heure. Bravo Momo, je vlog avec mon téléphone, donc c'est pas toujours évident. Mais ce que je disais, c'est que oui, j'ai besoin de nouvelles chaussures. Mes chaussures sont correctes, mais je pense que ça sera toujours mieux d'avoir une bonne paire avec un bon amorti. Je pense que j'ai vraiment besoin d'une chaussure qui amortit les coups si je veux espérer pouvoir continuer à courir, ce qui n'est bien sûr pas garanti. Mais du coup, résultat de notre promenade du jour, je pense qu'on a fait environ 3 km. C'est pas mal. On est allé jusqu'au pont de Williamsburg et puis on est revenu à la maison. Gina qui s'aventure près d'Adam, mais elle repart bien vite. Et si vous tombez sur cette chaîne grâce à cette vidéo, bienvenue. Moi c'est Harmonie, j'ai 30 ans, je vis à New York, je suis belge mais expatriée. Et j'ai mon petit garçon qui va bientôt avoir 2 ans, qui s'appelle Adam et qui est mon BFF. Ah, c'est mon BFF dans toutes nos aventures. Il est toujours collé à moi et on papote beaucoup tous les deux. À mon cœur. Ça va? Oui. Tu as bien dormi? Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Bois. Tu bois du yaourt, ok. Du coup, si vous aimez ce genre de contenu en toute simplicité, en toute décontraction, des petits vlogs parfois du quotidien, des vidéos dans New York, des vidéos sur la parentalité, maternité, allaitement, maternage, expatriation aussi parfois ça arrive, ben, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit commentaire. Laissez-moi un petit cœur, un petit emoji cœur. Comme ça, je saurai que vous vous êtes abonné à ma chaîne. Voilà. Elton John. Tu veux écouter Elton John? Oui. Ok. On va demander à Google? Oui.
Voilà, j'ai terminé mon rendez-vous avec la psy. Maintenant, je vais aller manger. Le mercredi, du coup, Adam mange avec son papa et moi, je mange soit tout juste après ma séance avec la psy, soit après avoir mis Adam au lit. Adam va faire sa sieste en général vers 13h30. Donc, bien souvent, j'ai quand même le temps de manger et puis de le mettre au lit. Donc, je vais faire ça tout de suite. Je t'aime. À la fois. Oui. Pour toute la vie. Oui. Et bien plus, hein? Quoi? Je t'aime, bébé. À cœur. Je t'aime. Je t'aime. Bonne sieste. Sieste. À tantôt. À tantôt. Bisous, bisous. Adam dort depuis environ une heure. J'en ai profité pour faire une photo que je voulais faire déjà depuis le week-end dernier, mais je n'avais pas pris le temps de m'y mettre alors que c'est une photo toute simple. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, rejoignez-moi. Je suppose que d'ici là que la vidéo sorte, la photo sera postée. Et j'ai rangé un peu la chambre. J'adore filmer en time-lapse quand je range. Je trouve ça tellement satisfaisant. Parce qu'après, quand on regarde la vidéo, ça dure genre 30 secondes et tout est beau, tout est propre. Bon là, la chambre est un peu dans un bazar incroyable. Mais vous voyez les valises, c'est parce que nous allons quelques semaines en Belgique au printemps. Et donc, j'ai déjà commencé à ranger des affaires dans les valises. Donc c'est vrai que la chambre n'est pas rangée de manière optimale, mais c'est déjà un peu mieux qu'avant. Et là, je suis dans la rue, je m'en vais me chercher un café chez Starbucks, chose que je ne fais plus jamais. Du coup, je me suis dit que j'allais sortir me faire un petit plaisir. Alors parfois, c'est aller faire un tour chez Target, acheter des petites bêtises, faire un tour dehors quand il fait beau. Aujourd'hui, il fait bof. Et je me suis dit qu'un bon petit café, ça me ferait du bien. Je me demande si je ne vais pas tester le White Mocha. Je n'ai jamais testé ça, mais je pense que c'est un café assez populaire. Donc, on va aller voir ce qu'on prend. Je vous emmène avec moi. Me voilà revenu de mes pérégrinations à l'extérieur. Je parle tout doucement parce que le petit fait encore sa sieste. Pour combien de temps, je ne sais pas, mais il dort. Je voulais goûter avec vous en exclusivité ce café parce que c'est la première fois que je prends un café mocha. La meuf prend toujours la même chose d'habitude. Un café glacé ou alors un caramel macchiato. C'était sûr que Pinto allait rentrer dans le sac en papier qui est à terre. Donc, je disais, je n'ai jamais goûté ce café, sauf que dans les magasins, vous savez, en Belgique et en France, il y a ça aussi, il y a des bouteilles de café froid Starbucks. Et j'achète régulièrement le mocha. Mais il n'est pas du tout de cette couleur-là. Et je sais que mocha, c'est avec du chocolat. Je sais pas. Je sais pas ce que je vais goûter. J'ai l'impression juste d'avoir pris un cacao froid. En plus, comme une nouille, j'ai demandé de la crème fraîche alors que je prends jamais de crème fraîche sur mon café. Mais oui, bon, c'est pas mauvais. C'est très chocolaté, évidemment. En fait, on dirait que ce café mocha est un cacao avec un peu de café. Alors que celui qui se vend en magasin, je dirais que c'est du café avec un peu de chocolat. Quelle est votre boisson préférée chez Starbucks? Je suis curieuse. Est-ce que vous avez une boisson que vous commandez et recommandez? Je vous avais dit que j'allais peut-être tester le White Chocolate Mocha. Je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle, cette boisson. Mais je sais pas, je me suis dit que chocolat blanc, ça allait peut-être être écœurant.
Mais en fait, quand je vois ça, je me dis... Tu m'étonnes que c'est genre 500 calories. Je crois pas que je vais tout boire, en fait. Et sinon, tant qu'on est dans le canapé, vous et moi, je voulais vous dire qu'aujourd'hui est un grand jour parce que j'ai commencé, enfin, les antidépresseurs. J'en ai pas encore parlé sur Instagram. C'est la plateforme sur laquelle je partage le plus au niveau santé mentale. Je l'avais dit sur Twitter que j'avais enfin accepté d'en prendre. Mais voilà, pour une sombre histoire d'assurance santé, il y a eu quelques petits arrangements qui ont dû être faits pour que je puisse avoir assez de médicaments pour aller en Belgique. Vu qu'on y sera pour quelques semaines, et du coup, aujourd'hui, j'ai enfin pu commencer. Et c'est une très faible dose, c'est plutôt un égalisateur d'humeur, on va dire. C'est pas vraiment un truc pour une dépression profonde, parce que je suis pas en dépression profonde, mais en fait c'est bêtement en allant faire mon contrôle annuel chez la gynécologue que je lui ai expliqué que j'avais fait une dépression du postpartum et que depuis l'accouchement, et surtout depuis mon retour de couche, donc c'était il y a bientôt un an, je me sens beaucoup plus influencée par mon cycle, par mes règles, par le syndrome prémenstruel. J'ai beaucoup plus de fluctuations, encore plus qu'avant, alors que j'étais sans contraception depuis 2013. Donc j'étais déjà assez à l'écoute de mon corps, mais elle m'a confirmé qu'une grossesse, un allaitement, ça bouleverse tout au niveau hormonal, et du coup tout ça peut être lié à plus de changements d'humeur, des changements d'humeur plus extrêmes, plus d'irritabilité. Voilà, il peut y avoir plein de conséquences évidemment. Puis je lui ai dit que j'étais en thérapie déjà depuis plus d'un an et que ma psy, quand j'ai commencé, m'avait assez rapidement parlé d'antidépresseurs pour, entre guillemets, me donner le petit coup de boost pour que ça aille mieux, mais que j'avais toujours refusé. Et voilà, j'ai trouvé important de vous en parler aujourd'hui parce que j'ai pas souvent parler de santé mentale sur ma chaîne YouTube, surtout, voilà, je fais beaucoup moins de vidéos maintenant qu'avant, mais n'empêche, aller voir un psy, c'est important quand on en a besoin, c'est quelque chose qui doit être banalisé et normalisé. Je pense qu'un des effets secondaires de 2020 et du coronavirus, ça a été une montée en flèche des thérapies, et tant mieux, entre guillemets, même si la cause est évidemment pas chouette, mais que les gens décident enfin de faire une thérapie, je pense que ça peut être que bénéfique. Et puis, prendre des antidépresseurs, ça arrive. Ça n'arrive pas qu'aux gens qui sont vraiment, vraiment, vraiment au bout du trou. Il y a beaucoup de gens qui passent par la case antidépresseur, que ce soit longtemps ou pas longtemps. C'est pas une fatalité, et moi-même, maintenant, j'arrive à me le dire. C'est vrai que j'ai longtemps lutté contre, mais maintenant, on teste et puis on verra. Maintenant, je vais essayer de boire ce truc. Je vais vous laisser pour le moment. Je vais profiter de la sieste d'Adam qui, en principe, devrait encore durer un petit quart d'heure, 20 minutes, pour essayer de retoucher la photo que j'ai prise tout à l'heure avec l'aide de mon Instagram husband et la poster. Comme ça, ce sera fait. Non, quoi, mon amour? Tu veux pas te lever maintenant? Non, d'accord. Je vais m'occuper de ta table allongée, alors. Vous vous demandez peut-être d'où vient ce bruit merveilleux d'oiseaux. En fait, il y a quelques mois, j'ai acheté une veilleuse Hatch. C'est une veilleuse qui fait bruit blanc et lumière. Et le principe, c'est d'utiliser des codes couleurs pour que les enfants sachent quand c'est l'heure de faire dodo, quand c'est l'heure de se lever. Donc là, c'est censé être vert. Ça remplit tout bleu à la caméra, mais vert et le bruit des oiseaux, ça veut dire que la sieste est terminée, que maman va arriver. Il y a plusieurs manières d'utiliser ce genre de OK to wake clock, je pense que ça s'appelle comme ça. Ça peut être en mode maintenant votre enfant sait qu'il peut se lever parce que la lumière est devenue verte, ou dans l'autre sens, pour un peu leur apprendre comment ça fonctionne, c'est quand il se réveille, on allume la lumière verte. Pour qu'ils se disent, ah, je suis réveillée, lumière verte. Pour le moment, Adam fait des belles siestes de 2 heures. C'est Poupoulpe? Oui. Ça va, t'es de bonne humeur, mon cœur? Il lui faut un petit temps pour se réveiller. Oui, il fait des belles siestes de 2 heures, donc c'est vrai que j'ai un petit peu de temps pour moi à ce moment-là. Je peux aller promener un peu, ou m'occuper un peu de la maison, ou simplement me reposer, ça fait du bien. Adam a une fascination pour tout ce qui est véhicule. J'avais envie de dire tout ce qui a des roues, mais non, parce qu'il adore aussi les bateaux, les avions, les hélicoptères, donc c'est vraiment tous les véhicules. Et autant vous dire qu'à New York, il est servi, parce que des ambulances, des camions de pompiers, des voitures de police, on en voit tous les jours. Et des taxis, oh là là, on adore les taxis. N'est-ce pas, mon cœur? Oui, tu aimes les taxis? Ce matin, on a été en promenade et on a vu quoi? Des ambulances de pompiers?
Ça, c'était hier. Mais ce matin, à la rivière, on a vu des bateaux-taxis. Oui, oui. Voilà mes biches, je vais terminer cette vidéo une journée avec nous ici. Il est, je n'ai pas ma montre, il est 18h et quelques. On s'est commandé des pizzas pour le souper. Parce que le Crowley travaille vraiment énormément ces temps-ci et c'est lui qui cuisine. Moi, je suis, je ne suis pas une fée des fourneaux. Hein. Je suis peut-être une fée du logis, mais pas une fée du fourneau. Donc, ce soir, c'est soirée pizza. Et sinon, pour résumer la fin de l'après-midi, depuis qu'Adam est réveillé, en fait, on joue. J'ai appelé ma maman, ce qui arrive tous les 2-3 jours. Voire un jour sur deux, quand même. Vu qu'on est expatriés, le Crowley et moi, on a pris l'habitude, surtout depuis le confinement, d'appeler nos mamans tous les jours ou presque. Moi, c'est plutôt un jour sur deux. Lui, c'est tous les jours. Et voilà, ça fait plaisir, quoi. Si vous avez l'occasion, si vous avez de bonnes relations avec vos parents ou avec vos proches, n'hésitez pas à leur passer un petit coup de fil. Je sais bien que c'est toujours un peu compliqué de trouver du temps dans sa journée, mais maintenant je pense que même avec les écouteurs, on n'est pas obligé de mettre la caméra, mais juste dire voilà, je t'appelle pour te faire un petit coucou, pour envoyer un petit message vocal. Moi, ça me fait toujours super plaisir quand je reçois des messages vocaux. Donc voilà, c'était le petit mot de la fin, la petite parole de sagesse de la fin. J'aime bien parce que je me suis mise devant le bazar, mais vous le voyez quand même dans le miroir. Oui, ça, ce sont les affaires du Crowley. C'est pas vraiment du bazar en fait, mais c'est quand même à arranger. Mais j'arrive pas à tout faire en une journée, hein, selon toute vraisemblance, il y a beaucoup de choses à faire. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie. Et ben, si oui, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à mettre un pouce en l'air, comme ça je saurai que je peux en refaire. Voilà, gros bisous.